C'est la deuxième fois que le Frac Grand Large invite Delphine Reist. La première fois, c'était en 2019 pour l'exposition triennale Gigantisme. Et à cette occasion, nous lui avions passé commande d'une œuvre pour la Halle AP2, une œuvre qui s'intitule Scanner et qui depuis est entrée dans la collection du Frac. Cette œuvre est absolument remarquable. Pour moi, elle est une sorte de chef-d'œuvre. Elle est à la fois très discrète et en même temps monumentale. Elle est à la fois matérielle et immatérielle. Elle est sonore et visuelle. Et elle s'inscrit parfaitement dans ce bâtiment, cette architecture du Frac Grand Large, la Halle AP2, ancien lieu des chantiers navals, lieu de travail, d'industrie, et devenu espace d'exposition, espace de collection. Et donc l'œuvre de Delphine Reist, qui s'intitule Scanner, c'est tout simplement une rangée de projecteurs qui a été fixée sur le pont roulant de la Halle AP2. Donc le pont roulant, c'est cet énorme outil qui permet de déplacer jusqu'à 15 tonnes et qui se déplace sur toute la longueur de cette halle, autrement vide, en fait, vide d'une activité qui a délaissé les lieux, d'une activité qui était très importante pour l'économie dunkerquoise, celle des chantiers navals, et qui très soudainement, à la fin des années 80, s'est interrompue et qui a été un moment très dur, une crise sociale, économique très forte. Et donc, ce pont roulant rappelle le temps où, de cette activité industrielle, le fait qu'il soit actif et mis en mouvement par l'artiste à intervalles réguliers, toutes les demi-heures, une sonnerie retentit, et puis le pont roulant, tout d'un coup, s'éclaire et balaye d'un faisceau lumineux tout l'espace de manière très lente et donne à voir des variations lumineuses en fonction de l'heure du jour ou de la nuit, puisque le soir, c'est vraiment un faisceau très net qu'on découvre, ou un triangle comme ça, qui découpe l'espace et une sculpture de lumière, on pourrait dire. Je pars plutôt des petites choses, je pars plutôt de qu'est-ce que je constate dans une perceuse, ou qu'est-ce que je constate dans un objet, et qu'est-ce que cet objet-là dit de la société. En fait, j'essaye de montrer en quoi les objets ne sont pas seulement des choses absolument géniales que les individus ont trouvées, Et en quoi ils trahissent des situations de société plus globaux, plus généraux. Mais je pars toujours, et je me dis pas, tiens, cette idée m'intéresse beaucoup, comment je vais la montrer? J'essaie toujours de partir de l'objet, de voir plutôt qu'est-ce que cet objet me dit, en fait, ou pourrait dire. En fait, ça commence comme ça, par un lieu. Ça commence par un endroit, c'est comme ça que ça commence. Par un lieu désaffecté, arrêté. Les machines inertes, les portes cadenassées, du mobilier abandonné, des plannings déchirés au mur, des traces d'huile au sol. Un lieu de travail, mais fermé, mais fini, mais délocalisé. Ça commence comme ça, c'est le lieu qui est le point de départ. Ça commence là. Ça vient juste de fermer, ou pas. Ça vient juste de finir, ou pas.
On sent encore l'odeur de l'essence, ou du sang, ou pas. On entend encore le bruit de la machine, ou les présences. Mais tout est vide, c'est fini. L'entreprise, c'est fini. L'usine, c'est fini. Le bureau, c'est fini. La manutention, c'est fini. Il reste les murs, il reste les chaises, il reste le sifflet du contremaître. C'est ça le point de départ. Oui, c'est ça. Nous souhaitions déjà, pour accompagner le parcours de cette exposition, avoir un élément plus narratif dans l'exposition. C'est quelque chose que nous avions discuté avec Delphine. Il se trouve qu'en parallèle, les éditions Aréfiction ont proposé à Delphine un portrait par Julie Gilbert. Et donc là, c'était une évidence aussi. Enfin, disons qu'on a d'abord lu les textes et puis on s'est rendu compte que ça pourrait être tout à fait intéressant avec l'accord de Julie et avec un choix réalisé en commun avec Delphine, avec Claire, de sélectionner certains extraits de son texte pour ponctuer l'exposition et amener une dimension plus narrative dans son projet. Comme tous ces objets ont une espèce d'humanité, enfin de présence, pas d'humanité, de présence suspecte, inquiétante, agaçante, étrange. Les pièces bougent toutes seules ou elles ont l'air, on dirait que les bottes elles vont marcher. Enfin voilà, il y a cette espèce de, on a l'impression qu'on est à un moment où quelque chose va s'enclencher. Donc j'avais pour moi en fait en projetant sur ces pièces, je me disais mais est-ce qu'on n'est pas dans une promesse? Est-ce que c'est pas la promesse de dire mais en fait et si tout d'un coup on se réincarnait à l'intérieur du travail? Est-ce que si on reprenait les rênes, si on construisait une nouvelle société, justement en se transformant vu qu'on est face à un effondrement du système tel qu'il a existé et d'ailleurs tant mieux de pour plein de raisons. Mais quelle serait en fait l'utopie de cet autre système? Et c'était intéressant parce que Delphine me disait mais moi en fait ça m'intéresse pas de proposer une promesse. En fait moi je suis juste à l'endroit juste avant où je dis et peut-être il va se passer quelque chose. Ou oui c'est bizarre, oui on se décale. Et finalement je me suis rendu compte que moi dans mes textes justement je vais juste à l'endroit d'après où en fait je suis déjà en fait sur le chemin de dire bah si on rebat les cartes, qu'est-ce qu'on propose ? Tous les objets ont des raisons un peu cachées, enfin pas nécessairement cachées, mais des raisons qui ne sont pas nécessairement toujours énoncées. Si par exemple on prend la chaise à roulettes, on peut dire que la chaise à roulettes est faite pour des raisons ergonomiques, mais en fait la chaise à la roulette, elle apparaît au moment de la chaîne de production. Donc elle transforme l'ouvrier ou l'employé de bureau dans un rouage qui est celui de la production et de la mobilité de tous les outils et des objets, etc. Et donc, elle a aussi cet usage-là. Et donc, il n'y a qu'à regarder la chaise à roulettes pour voir cette situation. Ce qu'il y a de génial dans un musée, c'est que quoi qu'on fasse devient une œuvre d'art. Parce que c'est le musée qui le fait. Le musée a un dispositif qui permet ça. Et c'est assez magique. Mais c'est aussi la chose qui fait que le spectateur perd son libre arbitre, en fait. Comme je suis très intéressée au libre arbitre du spectateur, j'essaye de mettre un peu à mal cette situation
pour qu'il soit obligé de se positionner.